bienvenue sur le site d'Elvin où nous fabriquons des facteurs d'appétence pour les chiens et pour les chats. C'est vrai que les gens ne connaissent pas parce qu'on ne vend pas un produit fini. Nos clients savent ce qu'on fait, mais l'acheteur des croquettes ne nous connaît pas. C'est pour donner du goût à la croquette. Il y a deux possibilités, c'est soit du liquide qui roule la croquette ou la poudre. Alors pour l'explication que je donne moi aux gens, c'est quand ils font un plat, nous c'est comme si on fabriquait le sel ou le poivre qu'on met dedans pour qu'il soit meilleur. On a commencé, nous étions à peu près 35-40, plus de 20 ans après, on est à peu près 450 sur le site, donc on voit que c'est une entreprise en fait qui est en pleine expansion. L'entreprise a grandi et j'ai grandi avec. Je suis arrivé à SPF aussitôt après mes fins des études et à partir du 1er décembre, je suis chef d'équipe logistique. L'entreprise est en pleine croissance et en plein essor, c'est pourquoi nous avons besoin de recruter sur notre site des opérateurs pour notre service logistique. On tourne en 3-8, une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe de nuit et deux équipes week-end. La réception, on reçoit de la matière première. On décharge les camions, on range ce qu'on réceptionne. Aux expéditions, on envoie les produits chez nos clients tout en respectant la qualité et la sécurité des produits. Pour être un bon opérateur de logistique, nous recrutons beaucoup sur le savoir-être, des gens qui ont envie de travailler en équipe et puis bien sûr aussi des compétences métiers, des gens qui ont leur CACES et les formations indispensables pour le métier d'opérateur logistique. On a trois types de chariots, catégorie 1, 3 et 5. Il faut être volontaire, il faut avoir de la rigueur, il faut respecter les consignes d'agroalimentaire, en fait, hygiène, sécurité et qualité. Un bon esprit d'équipe. Puis après avoir un bon sens de l'organisation. Avant le recrutement, je reçois tous les candidats. Je leur fais un petit entretien de 5, 10 minutes, 15 minutes. Et après, en fait, c'est le chef d'équipe en fait, qui leur fait le tour de tous les ateliers. Après, on se réunit tous les deux, voire tous les trois avec le candidat. Et on prend une décision. Ça bouge beaucoup dans notre entreprise, donc c'est important d'avoir envie d'avancer au rythme de l'entreprise. J'ai commencé intérimaire, étudiant, tout ça pour finir aujourd'hui cadre. Quoi qu'il arrive, c'est déjà une très grande expérience de rentrer dans une grande industrie comme la nôtre et les perspectives sont très bonnes. Le point fort de la société, je pense que c'est au niveau social. On a une très bonne entente dans toute l'équipe expédition, même dans toute l'usine. C'est des équipes de jeunes, en fait, dans côté production comme les côtés bureaux. Et du coup, je pense qu'il y a une bonne osmose en fait, entre tout le monde. Et le respect, c'est une de nos principales valeurs, le respect des hommes, le respect des animaux, le respect de l'environnement. On pense aux employés en fait, aujourd'hui sur le site. On fait une salle détente, on a quand même un cadre de vie. L'été, c'est quand même agréable d'aller manger en plein milieu de la pelouse là-bas. Là, on est proche de Vannes, proche de la voie express et proche de la mer. C'est vraiment une bonne boîte, on a beaucoup d'avantages, que ce soit au niveau des chèques vacances, tickets restaurants et au niveau des primes aussi, 13e mois, participation. C'est une entreprise dans laquelle je m'ennuie jamais parce qu'il y a vraiment des gens à la fois passionnants et puis des métiers qui sont super intéressants. Bien, j'espère que tu seras heureux ici. Rejoignez-nous pour découvrir cette entreprise passionnante et cette jolie aventure.